Bon voilà, ça y est, le bateau est sur la remorque, j'ai réglé les brides pour poser les patins, pour que ça t'appose correctement. Et pourtant là je peux pas le descendre plus bas. Là je l'ai mis au plus bas possible. Donc il pose nickel, les patins reposent bien de manière équitable. Donc là c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Il y a encore du boulot, il y a encore du boulot. Donc prochaine étape, ça va être ça. On va remettre le treuil. Là il y a trois. À mon avis, c'est tout pourri et il va peut-être falloir changer tout ça, donc on va ouvrir ça. Bon, ben on a ouvert et la mousse est bien imbibée d'eau. Je pense qu'on a peut-être 200 kg avec la mousse remplie d'eau. 100 ou 200 kg entre les deux, ça c'est pas très sûr. Vu le volume de mousse qu'il y a qui est rempli d'eau. Donc il va falloir tout enlever, remplacer ça par des panneaux et refaire le plancher de bourre. Il y a du taf, il y a du taf, il y a du taf. Bon, bilan de l'affaire. Vous voyez derrière moi, j'ai pas fait beaucoup d'images, il faisait un temps de merde hier. On a ouvert tout le bateau pour enlever la mousse. On a enlevé un sacré bordel de mousse, tous les sacs poubelles qu'il y a derrière moi. On va peser ça parce que ça peut être intéressant. On n'a pas fini encore d'enlever, mais on a enlevé plus de 100 kg. La mousse était pas mal abîmée. Sur la partie avant, juste là-bas, là, c'est plutôt bon la mousse. C'est vraiment sur la partie au fond que la mousse était gorgée d'eau.
Par contre, on s'y attendait, mais le tableau arrière, hop, vous voyez pas grand-chose, c'est sombre, mais il est complètement mort. On s'y attendait, on se doutait bien qu'il allait falloir le changer. Du coup, j'ai mis un petit message sur Bassboard Création pour savoir si c'était plus intéressant de le changer par l'intérieur ou par l'extérieur. L'extérieur, comme on avait fait sur le petit bateau, c'est facile, on met un coup de disqueuse, on sort le panneau, c'est fait. Le problème, c'est que la coque extérieure est quand même vraiment bien et ça me fait chier de l'ouvrir pour tout enlever. Du coup, on va partir par l'intérieur, mais à l'intérieur, on a ces caissons de chaque côté. Du coup, il va nous falloir enlever les caissons de chaque côté, ici et là. Retirer toute la partie haute, si on y arrive en un seul morceau. On change le tableau arrière. Et ensuite, on remettra les morceaux. C'est de la fibre. On peut raccorder. On peut faire un peu ce qu'on veut avec. Et ce sera bon. Il y avait également enfin, un panneau de contreplaqué sur toute la largeur au milieu, qui participe aussi un petit peu à la rigidité. Qu'on va, je pense, remettre à peu près de la même manière, mais en veillant à ce qu'il soit mieux fibré pour faire ça. Et on va bien penser à faire une rigole pour que l'eau s'évacue, parce que l'eau elle rentre toujours, toujours de l'eau qui rentre. Ce qu'il faut quand vous faites un bateau, c'est penser pas l'empêcher de rentrer parce qu'elle rentrera toujours. Par contre, faire en sorte qu'elle puisse s'évacuer et partir. Donc on va faire ça, on fera une rigole de chaque côté de la traverse. Pour que l'eau s'évacue à l'arrière. Et à l'arrière, on fera un compartiment pompe de cale. Dans tous les cas, il y aura la pompe du vivier, etc., etc. Donc là, on aura un espace qui nous permettra de mettre tout ça. Voilà. Il y a du taf, il y a du taf. Il y a toute cette mousse encore à enlever sur les côtés. Parce que la mousse, là, vous voyez, là, il y a la mousse qui est plutôt saine. Et là, on voit la couleur. Hop, si la mise au point veut bien se faire. C'est gorgé d'eau. Il y a l'eau qui sort. Rien qu'en appuyant au doigt, du coup on va encore enlever cette partie. Plus on avance vers l'avant du bateau, plus elle est saine, on le voit de suite à la couleur, même s'il y a un tout petit peu au niveau de la coque, mais c'est normal. Et on va quand même changer cette partie-là. Bon voilà, ça y est, on a retiré tout le tableau arrière. Là ça fait un grand vide là. Mais au moins ça c'est fait, après contreplaqué. On va faire un tableau 45, entre 45 et 55 mm. Voilà, contreplaqué, résine, comme on a fait pour le premier. Et comme ça, on repart sur une base saine.